Oh là, mais... Ah, il est bien, ce film. Ah non, il est... Oh, il est super. Oh, merde, ça coule. Ah oui, mais ça va coller maintenant. Putain, c'est pas vrai, ça. Oui, en fait, l'important quand on veut faire un bon shaker, un beau cocktail, c'est... C'est de vérifier qu'il soit bien fermé quand même, hein, sinon... Ben sinon, on en fout partout, hein, voilà. Voilà. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais je comprends pourquoi on l'appelle le roi du shaker, hein, le roi du mélange. Et c'est vrai que, bah, grâce à cette prédisposition, eh bien, j'ai pu gagner beaucoup de compétitions au niveau du cocktail en shaker. Hein. En même temps, moi, je crois que j'ai été prédisposé assez jeune au niveau du shaker. Oui, parce que moi, petit, en fait, j'étais un fou de rock. Ben depuis, je secoue tout, hein. En même temps, j'adorais ça. J'aurais même voulu jouer dans un groupe de rock. Ça aurait été mon plaisir de jouer. Et en fait, j'ai voulu commencer par la guitare électrique. Mais va la tenir, la guitare, hein. Va faire des accords, hein. Du coup, je me suis mis, au maracas. Mais bon, les maracas dans un groupe de hard rock, forcément, tu l'entends pas trop, hein. Alors ça a été un petit peu pénible. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est peut-être un avantage. C'est peut-être un avantage d'avoir cette prédisposition parce que quand je vais vieillir, si jamais je chope un jour la maladie de Parkinson, eh ben, je le saurai pas, hein. Alors en même temps, c'est vrai que je suis content parce que moi, ces prédispositions maintenant au niveau du rock, et ben du coup maintenant, au lieu de faire des shakers, ben, je fais des cocktails dans les soirées rock à la buvette. Ah putain. Ah ben oui, ben oui, c'est qui? C'est Anthony. Ben rentre, c'est ouvert. Ça. Ça fait quand même une heure que je t'attends, Anto, hein. Oui, ça fait quand même une heure que j'essaie de viser ta sonnette, moi, hein, donc... Bon, bonjour quand même, hein. Oui, pardon, excuse-moi, bonjour. Ah, merde. La bise, hein. Oh, putain. Oula, c'est... Oh, ok. Bon, en même temps, c'est bien que tu sois là, hein, que tu sois venu un petit peu, parce que du coup, je vais avoir besoin de toi, parce que ce soir, j'ai une grosse soirée au niveau des shakers, et ben, je pense qu'à mon avis, t'es un petit peu très bien disposé à... Tu vas pouvoir m'aider, je pense, hein. Eh oui. C'est... Ouais, n'en fais pas trop quand même, hein. Et c'est... Ouais. Oh, allez, viens, on va passer là. Tiens. Tu passe-moi des shakers. Ouais. On va pouvoir jeter. Par contre, tu l'as pris où, celui-là? À l'entrée, à la porte d'entrée. Nanto, c'est pas un shaker, ça. C'est l'urne qui contient les cendres de mon père. Ouais. Bon, alors écoute, je te montre comment on fait. Vas-y. Prends-en un. Fais-moi. Attention. Pas très doué, hein. Merde, ton père. Ça va, monsieur? Ça va? Non, non, Anto, Anto. Quoi? C'est pas grave, ça, c'est... Je me suis trompé, c'est... Non, ça, c'était ma mère. Oh, ça va. C'est fait serrer les tesses. Avec, bien sûr, Anthony Joubert. Et c'était le 22e passage de Cyril avec ce sujet imposé. C'est moi, le roi du shaker.